Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Tout le monde, donc là j'ai cours à 10h, j'ai histoire, donc je vais y aller. Ce soir j'ai audiovisuel, donc je vous retrouverai très tard, mais en attendant je vais filmer un petit peu ma journée. Bon, la boule. Ce soir, alors en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ma vidéo où j'avais parlé de combattre la flemme, quoi, ça les avait vraiment motivés, et je suis vraiment choquée parce que je pensais pas forcément que cette vidéo allait vous plaire ou quoi. Donc écoutez, ça me fait vraiment, vraiment super plaisir. Donc là ce soir, je me suis dit que j'allais vous parler de youtubeurs qui m'inspirent, on va dire, pour pas forcément faire ce genre de vidéo, mais pour me bouger. Ou qui me font rire, enfin juste des youtubeurs que je kiffe en ce moment. Donc je vous préviens tout de suite, je ne vais pas parler de Lena Situation parce que vous savez tout ce que je l'adore, c'est les meilleurs vlogs du monde. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais voilà, je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé, je vais vous parler de plus petits youtubeurs. Premier youtubeur, c'est Hugo LRK. Donc en fait je l'ai découvert grâce à la chaîne de Louis CSND, je crois. Donc Hugo, franchement il est trop drôle, ce gars c'est une pépite. Donc il a 2627 abonnés, donc en soi c'est pas mal, mais c'est une pépite. C'est un mélange de Lucas Adorable et de lui, enfin, en fait il a quand même la personnalité parce que c'est pas Lucas Adorable non plus, et franchement j'adore ses vidéos. Voilà, c'est juste ultra drôle, même si le sujet ne m'inspire pas du tout et que j'en ai rien à faire, ça va m'intéresser. Mais comme il parle de fringues, déjà c'est sympa, et il a une intro de fou. Je vais juste vous montrer son intro et on va bien rigoler. Donc allez voir sa chaîne, évidemment, elle sera... Je suis allée, mais vraiment je crois que je vais vraiment enregistrer son intro parce que je monte bien à chaque fois dessus, je la trouve trop drôle. Voilà, donc je suis quelqu'un à se faire des intros dans ce style là, bah écoutez, dites moi. Ensuite, donc pas du tout dans le même style, mais la deuxième chaîne qui m'inspire énormément, et si vous avez aimé ma vidéo sur comment combattre la flemme, c'est Antoine BM. Maintenant il fait plutôt des notes audio, je crois que c'est des podcasts ou un truc comme ça, et qui met sur sa chaîne YouTube. Avant je le suivais donc quand il faisait des vlogs, et j'avais un peu arrêté quand il faisait juste des vidéos où on l'entendait parler, et en fait il a refait un vlog et ça m'a relancé dans le fait de regarder ses vidéos où il fait que parler. En fait il vit sur les routes, donc il travaille un peu aux quatre coins du monde, et il vend des formations pour développer en quelque sorte ses entreprises. Donc personnellement ça m'intéresse pas forcément, dans le sens où ces formations je vais pas me les payer, mais il donne pas mal de conseils sur sa chaîne YouTube, pour les chaînes YouTube, d'Instagram, et en fait il parle vraiment en termes de business, et c'est ça que j'aime bien. Il affirme totalement le fait que lui cherche une communauté, mais il va pas vous parler en termes de notoriété, avoir le plus d'abonnés, c'est vraiment comment avoir des gens fiables et tout. Donc voilà, moi c'est pas forcément le but parce que j'ai rien à vendre derrière ma chaîne YouTube, mais je trouve ça ultra intéressant, il est super motivant, et tu te sens pas tu te sens pas jugé en fait quand il parle de toi, tu te sens pas une merde ou quoi. Donc... ensuite donc les Nantaises, c'est Juliette et Marie je crois, et je pense que vous les connaissez, elles sont assez connues quand même. Elles ont 64 000 abonnés, elles viennent de Nantes, et ces filles c'est des pépites, elles font des courts-métrages, des vidéos de fou. Vraiment je sais pas comment expliquer, mais leurs vidéos elles sont vraiment ouf pour ce qu'elles font. Donc elles ont 18 ans, c'est deux meilleures amies, et elles ont vraiment un délire, elles, et je sais pas comment expliquer, mais même leur, je sais pas, leur morning routine, des trucs comme ça, sont super cool, donc allez voir. Voilà. Après, Noémie Lacerte, je pense que vous la connaissez, elle est quand même ultra connue au Québec, mais moi j'ai commencé à suivre, elle était pas super connue, genre elle devait avoir 20 000 abonnés. Et en fait, elle a commencé les vidéos quand elle avait, je crois, mon âge, et donc là elle est beaucoup plus vieille, et sa vie m'inspire tellement. Je veux dire, elle a son copain depuis qu'elle a, elle est plus jeune que moi, elle a son petit chien, son chat, son petit appart au Québec, au Canada ou au Québec, je sais plus.
Et elle est juste parfaite cette fille, et elle a extrêmement beaucoup d'humour. Dans le sens où sur Insta, quand tu la vois, t'as l'impression de voir la grosse post-bat de service, et quand tu vas voir sa story, tu vois que c'est que de l'humour. Et elle est vraiment, elle joue avec ça, elle joue avec les clichés. Et allez voir sa chaîne, et vraiment son mode de vie, il m'inspire énormément. Elle est toujours positive, elle est super belle, elle s'habille super bien. Dernière youtubeuse, bon après il y a plein d'autres youtubeurs auxquels je pense pas maintenant et je vous en reparlerai peut-être dans les prochains jours, mais c'est L4, elle est super connue en fait parce qu'elle s'est fait connaître en faisant d'abord des tutos montage vidéo. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans ses vidéos c'est qu'elles sont hyper chill, je pense que c'est ce qu'elle veut faire. Maintenant elle fait plus trop de tutos et en fait à chaque fois elle aborde un sujet, genre les filles de 14 ans sur Instagram, la vérité sur la chirurgie sur Instagram, enfin elle fait plein de trucs comme ça, et en soi le sujet m'intéresse pas non plus de fou parce que je ne la connais pas, enfin je connais pas trop ce genre de filles sur Instagram, les américaines, mais je trouve que de la manière dont elle en parle, c'est intéressant, et l'état d'esprit est intéressant, et même sa qualité et tout, franchement allez voir parce que c'est une chaîne complète avec une fille qui donne son opinion sur des trucs un peu cassants mais qui fait aussi des tutos sur comment apprendre à faire des bons montages sur YouTube, et c'est trop cool. Et moi ça me motive de voir ses vidéos parce que c'est hyper propre, hyper chill, et t'as vraiment une ambiance derrière ses vidéos. Même en soi ce que je veux vous dire c'est que si vous hésitez à vous lancer sur YouTube, c'est grave de pas avoir un contenu de fou, je pense. Personnellement, il y a plein de youtubeurs que je regarde, je m'en fous un peu de du contenu, c'est plus leur personnalité qui m'intéresse, leur manière de vivre, les belles images qu'ils transmettent en vidéo, et donc bah après je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc c'était pour ça. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense que je vais vous dire au revoir maintenant, je suis vraiment désolée, mais ce soir j'ai mon contrôle de maths à réviser. Et donc je pense que j'ai assez parlé et je vais faire le montage. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vois que sur ma vidéo une journée dans mon assiette, je suis presque à 1000 vues, mais j'ai 30 j'aime, ce qui en soit pas beaucoup. Enfin genre dites-moi ce que vous en pensez quoi. Donc voilà les gars, bonne journée. Et merci aussi pour ceux qui commentent, vraiment ça me fait trop plaisir. J'ai jamais eu autant de retours je crois, et ça me fait trop plaisir.